la Californie de nouveau frappée par les incendies. Les autorités du nord de l'État ont ordonné vendredi l'évacuation de milliers d'habitants face à un feu progressant à une vitesse alarmante. L'incendie a déjà détruit plusieurs habitations et menace des centaines d'autres dans des zones situées à la frontière de l'Oregon. Dans le comté local de Siskiyou, des villes entières ont reçu l'ordre d'évacuer. Les communes de Weed, Lake Shasta et Edgewood sont concernées. Ces incendies surviennent alors que la Californie est touchée par une canicule. À Los Angeles, les températures sont à la limite du supportable. Cette femme explique ne pas avoir de climatisation. « Nous n'avons qu'un ventilateur, alors nous venons dans ce centre municipal parce que nous ne pouvons pas rester chez nous. » Une fois que le pic des 37-40 degrés est atteint, et nous savons qu'il le sera selon les services météorologiques, à ce moment-là, nous appliquons des protocoles spéciaux pour réunir nos troupes, rassembler des fournitures et nous assurer que les centres peuvent être ouverts, explique ce responsable local. Des températures allant jusqu'à 46 degrés Celsius sont attendues en Californie dans les prochains jours.